Et bien salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online sur Next Gen pour faire part d'un tout nouveau glitch qui vous permettra d'avoir le parachute exclusif qui était disponible lors de l'événement de la mise à jour école de pilotage. Alors si vous n'avez pas eu la chance de pouvoir avoir ce parachute exclusif, grâce à ce glitch vous aurez la possibilité de l'avoir. Alors pour cela vous allez devoir vous rendre dans un magasin de vêtements, et dans le magasin de vêtements vous allez aller dans les blousons en cuir et vous allez prendre le blouson en cuir uni. Donc vous l'achetez, et une fois que vous l'avez acheté vous allez tout simplement vous rendre dans un magasin d'ammunition. Ne vous en faites pas, il n'y a aucun glitch pour changer l'apparence à réaliser, car je sais qu'il fait bugger les tenues etc, donc je n'ai pas envie de vous le reproposer. Donc vous pouvez faire ça dans l'ordre que vous voulez, il n'y a pas forcément d'ordre particulier. Vous pouvez très bien aller chercher d'abord le parachute à l'ammunition, puis aller chercher le blouson de cuir, c'est comme vous le sentez. Donc une fois que vous êtes à l'ammunition, vous allez aller au comptoir, vous allez faire flèche de droite afin d'acheter quelque chose, et là vous allez vous rendre dans la catégorie des parachutes, vous allez dans sac harnais, et vous allez aller chercher le parachute sac harnais Porto Rico. Donc vous l'achetez, vous double cliquez pour faire en sorte que le parachute se mettre directement sur vous, comme ça vous n'aurez pas besoin de le refaire juste après. Et une fois que cela est fait, vous remontez dans votre voiture, et là vous allez devoir aller dans un coiffeur, et dans un coiffeur précisément, donc pas forcément dans le coiffeur que vous voulez. Donc une fois que vous êtes dans le coiffeur et vous êtes prêt à faire flèche de droite, vous allez dans inventaire parachute et vous mettez parachute avec, afin que votre parachute se mette, donc le parachute Porto Rico. Une fois que cela est fait, vous faites flèche de droite afin qu'elle puisse vous couper les cheveux. Et une fois que cela est fait, vous faites B ou rond afin d'annuler. Et vous allez voir que votre parachute va changer de couleur automatiquement. Et vous allez avoir le parachute exclusif de l'événement de la mise à jour école de pilotage. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo de glitch. J'espère vraiment qu'il vous aura fait plaisir. N'oubliez pas de me faire savoir tout ça dans l'espace commentaire. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Allez, ciao, bye bye tout le monde. Don't stop the body rock.